Le gros coup de gueule d'Agathoprou, incapable de louer un appartement malgré son salaire de chroniqueuse TPMP. Je vais tout casser. Accepteriez-vous de louer un appartement à Agathoprou? Apparemment, ce n'est pas le cas des propriétaires parisiens. La chroniqueuse de Touche pas à mon poste a poussé un coup de gueule pour dénoncer son incapacité à trouver une location. Agathoprou est en colère. La chroniqueuse de TPMP a fait savoir sur TWITR qu'elle n'arrivait pas à louer un appartement, malgré son salaire d'intervenante auprès de Cyril Hanouna. « Je cherche un appart et me heurte à une toute nouvelle forme de discrimination », écrit-elle. « Non désolé, ce n'est pas une question de revenu mais de contrat, on ne loue personne en CDI. Je vais tout casser. » Est-ce la fausse annonce de son départ qui rend les propriétaires frileux? Pas sûr. Agathoprou, elle, ne décolère pas, « Je n'ai jamais eu de problème pour louer des apparts, et ma vie est un long déménagement. C'était carrément plus simple quand j'étais étudiante. Incompréhensible. Et ce n'est pas parce que ce problème est commun que ça le rend davantage admissible », assure-t-elle. Pour conclure sur ces mésaventures, la chroniqueuse en appelle à Emmanuel Macron. Donc, exemple, un modiste à 2000 euros par mois passe avant un auto-entrepreneur, qui peut justifier 7000 euros mensuels, dont le profit ne sera même pas considéré. C'est ça une start-up nation Emmanuel Macron? Pas sûr que le président de la République, après compagnie d'être mis directement en cause mais, qui sait, peut-être se penchera-t-il sur le cas d'Agathoprou, il vient après tout lui-même d'accueillir de nouvelles locataires à l'Elysée.